vieille. On dit quoi? Bon arrivé, maman. Entrez. Mais tu étais où? Pas duré là. La dégameuse. Maman. Bon arrivé. Merci. Ah, yeah. Merci. Je sens la vieillesse. Hein? Quelle vieillesse? Où tu bouilles quand on t'a même parlé de vieillesse? Oh, arrête. Mais arrêtez quoi? Il y a de l'eau. J'ai pas envie de boire. Elle est nous. Vous avez changé de fauteuil. Ah, donc je vais rester comme ça. Il a changé. Yeah. Ah, maman. C'est quelle artiste là? Ah, faut laisser cela. La vieille, hein? Tu m'as moqué. Arrête de m'appeler la vieille. Eh! Ça me rend encore plus vieille. Pardon, la jeune. La jeune dame. Et ton mari? Il est sorti. Ah, ok. Elle sourit, son nom. Toujours belle. Merci. Ça va pas aujourd'hui, là. Ça va pas comment? Eh, hey, en tout cas, maman. On la go. Je viens de te parler, mm-hmm. Mais ce que je vais te dire, là, mm-hmm. Tu es mon bébé, yes, tu es ma fille. Ah, maman, t'as pas besoin de me dire. On va prendre ça en mal. Hein. Non, toi aussi. C'est pour notre bien. Non, tu es mon bébé. Parle. Ok. Non, il faut parler. Y a pas, je peux parler. Non, hein. Maman, parle. Ok. Non, il ne faut pas prendre ça en mal. Non. Ah, toi aussi. Tu sais que pour devenir riche, là, j'ai fait médicament. Médicament? Oui, j'ai fait médicament. Maman. Médicament? Attends. Ça, là, c'est fréquent partout. Tout le monde fait ça. Mais de je ne m'attendais pas. Tu ne t'attendais pas à quoi? Ça, venant de toi, quoi. Médicament. Eh? L'apparence trompe, hein? Maman. Oui, depuis que ton papa nous a quittés. Il n'y avait personne pour nous aider. Donc j'étais obligée de faire ça. Ah, maman, tu ne peux pas trouver autre chose, quoi. Autre chose, comment? Mais ça, là, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Je... Toi-même, tu sais que tout le monde nous avait abandonnés, non? Tu voulais que je fasse quoi? Mais bon, là n'est pas le souci. Là, quel souci encore? Le problème, c'est qu'actuellement, là, le médicament me demande une chose. Quelle chose? Le médicament. Tu as coupé mon cœur maintenant. Oh, faut pas avoir peur. Ça, c'est... Mais dis pas de médicaments. Faut pas y avoir peur. Non, faut pas avoir peur, ma fille. Eh, oui, je t'écoute. Le médicament me demande de coucher avec ton mari. Quoi? Coucher avec mon mari? Oui, il a dit coucher avec. Oh, maman, tu me dis quoi? Le médicament me demande de coucher avec ton mari. Quoi? Mon mari? Ah non, non, non. Quoi, maman, mon mari? Coucher avec mon mari? Mais où est le souci? Maman, où est le souci? Tu dis ça facilement comme ça. Où est le souci? C'est ton parent. C'est mon mari. Non, non, la combinaison est où dans ça, là? Ah, maman, attends, est-ce ta fille? Oui, c'est parce que tu es maman, ma fille. Tu m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu n'allais pas me dire ça. Oh, ma fille, faut pas non, dire non, ça. Non, non, pas je t'aime. Ça. Coucher avec mon mari. Attends, c'est ton parent. C'est mon mari. Maman, c'est mon mari. Tu vas coucher avec mon mari. À cause de quoi? Ma fille, calme-toi. Je ne peux pas de me calmer. On dit ancienne mariée, mais on ne dit pas ancienne mère. Je ne dis pas non, mais je ne peux pas accepter ça. Pourquoi? Mon mari. Mais moi, est-ce que tu entends ce que tu entends me dire? Où est le point? Un truc de 3 minutes, chap-chap, puis on est quitte. Chap-chap. 3 minutes, chap-chap. Mon nom, c'est tellement facile. Maman, est-ce que c'est ton enfant même? Tu es mon enfant, je non, t'aime, non, tu es non, ma non, fille. Non. Mon mari même qui est dur comme ça, il est dur trop, je ne peux pas le laisser. Attends, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est ça qui est bon là. C'est... Donc ça a quoi? Non, ce n'est pas médicament. C'est pour ça que tu es arrivé ici. Je comprends maintenant. Je ma comprends. Fille. Non, non, il n'y a pas ma fille. Oh, c'est ce que toi-même tu voulais. C'est ce que toi-même tu voulais. C'est le médicament c'est qui pas, me demande. Pourquoi tu peux me dire que mais c'est 3 000 chaps? Pourquoi tu peux me dire ça? Toi aussi, il y a ce que tu entends me dire. Pourquoi tu as fait ça? Attends, je tu discutes avec ta mère. Je ne peux pas accepter ça. Ah, à cause de quoi? À cause de quoi? Je ne peux pas. Ok. Ça, c'est pas un problème. La balle est dans ton camp, ma fille. Moi, j'ai fini de parler. Soit je ne veux pas. Tu acceptes, on reste dans notre richesse. Tu refuses, on devient encore plus pauvre qu'avant. C'est pas un problème, on va devenir pauvre. Ça, on va devenir pauvre. On va se retourner à derrière. Hein? Quelque chose m'a laissé pour mourir. Tu as couché mon mari, pourquoi? Tu connais mon numéro. Si tu changes ta vie, là, tu m'appelles. Tu as compris? Quelles sont ces manières? Non, non, faut pas gâter mes fauteuils. Faut pas gâter mes fauteuils.
c'est quelle histoire ça encore? Coucher avec ma maman, coucher avec mon mari. Seigneur, c'est quoi ça encore? Il a fait quoi matin là-haut? De trouver d'habitude, il met des jovial là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça a fait un enfant, quoi. Si ça a fait un enfant, mais c'est bon. Mais comment ça? Ça fait la mise, ça devient grave. Bah, dépend de ça maintenant. J'ai mis tes coins, triste coin. Si elle sait que vraiment tu as besoin, elle suit qu'on sait quoi le voir souci. Quand elle est venue me voir, que bon, elle m'a dit on a la maison, on est riche, tout et tout. Il a dit oui. Attends. Elle t'a dit on a la maison, on est riche. Oui. Que nous sommes arrivés, non? La richesse que nous avons, quoi. Qu'elle a fait médicament. À cause de ça, nous sommes arrivés là. Attends. On n'est pas en avril d'abord, tu sais qu'on n'est pas en avril, donc Félicia, qu'elle t'a parlé tout de même pas. La richesse qu'on a, c'est la société qu'elle a, elle a eu, et puis elle m'a dit de venir travailler dedans. On parle de société. T'as dit qu'elle a fait médicament. C'est ce qu'elle m'a dit aujourd'hui. Tu sais pourquoi même a fait des médicaments que j'ai dit ça me fait bizarre, mais parce que moi d'abord mes parents sont chrétiens, donc quand on parle des médicaments ça me fait bizarre déjà pour commencer, tu vois. Bon, vas-y, t'écoute la suite. Mais si tu es triste, quoi, c'est un médicament là, on va me faire gérer, mais c'est quoi le truc? Vas-y. Elle dit son marabout, elle dit son médicament en train de se gâter. Et ça se gâte, on va revenir en arrière, on va tout perdre. Donc pour éviter ça, il dit, elle doit coucher avec toi. Ça te fait rire. Non, c'est amusement. Il sait que peut-être elle vient de dire ça pour couper ton cœur. Couper mon cœur. Il sait que c'est un truc qu'on a. Tu n'étais pas là. Ta papa. Maman que je connais là. Ta maman que moi Ivan, je connais là. Elle n'est pas venue de dire ça. Mais peut-être toi, tu étais de dire ça quoi, pour juste couper mon cœur. Peut-être c'est pourquoi un truc. Pourquoi il vient de dire ça? C'est ça, il est bon pour m'amuser. Mais Richard, ça c'est société là. C'est maraboutage. Mais non, c'est que moi, il pensait que c'était société. Maintenant, elle est venue me dire. Non, coucher, je crois pas. Je te dis un truc. Peut-être la veille a bu. Souvent, il y a l'alcool qui fait ça. Mais elle n'était pas ivre. Mais tu peux être ivre depuis que tu n'as pas savoir. Elle va t'appeler peut-être non qu'elle était ivre, qu'elle s'amusait. C'est l'alcool. Sinon, je ne pense pas que la veille peut dire le truc. Quoi. Elle ne peut pas dire ça. Tu sais, il faut être bien, Il faut même t'en faire à manger. Il faut laisser ça là. C'est l'alcool. C'est ça que je n'aime pas chez toi aussi. Toi, mais d'abord, un, tu es paresseuse pour commencer. Bon, faut pas t'acheter. Non, j'ai faim. Ça fait pas la peine. Allô? Bonjour, maman. On dit rien. Oui, ça va. Bon, j'arrive chez vous là-bas. On avait dit la dernière fois. On avait dit quoi? Attends, tu as quel problème? Je suis venue t'expliquer un problème. Quel problème? Ah, il y a que tu avais oublié. Oublié quoi? Je suis dans mon sérieux, je viens pour ça. En tout cas, moi, j'ai parlé avec lui, il n'est même pas d'accord. Moi-même, je ne veux pas. Ça, c'est pas mon problème. Moi, c'est pas mon problème comment? Je suis en route. Mon maman était dit je ne veux pas. Lui-même, il n'est même pas là même. Tu veux ou tu veux. Il est. Si j'arrive, tu vas aller le chercher. Là où il se... Mais maman, il ne sait pas où il est. Il y a le chercher comment? Ma fille, je suis en route. Je suis en route. Ok. C'est qui, bébé? C'est la vieille. Attends, t'as appelé pour le truc là. Attends, c'est sérieux, hein? Très. Aïe! La dernière fois, moi, je pensais qu'elle avait bu, genre, c'était pour ça qu'elle faisait ça. Oui, elle faisait ça. Elle dit quoi? Elle insistait, elle n'a pas dit ça encore. Ah, vas-y, elle arrive. La vieille, elle va me tuer. Tiens!
Yedi, voilà, on va faire comment, bébé? Tu sais quoi? Chava me dit que... Non, il t'a posé la question, on fait comment? Je sais pas. Ouais, c'est la vieille. Toi, tu vois la situation où on est actuellement. Après, tu es ma femme aussi, tu vois, non? Donc, faut essayer de voir où je suis là. C'est ça, il ne peut pas... Elle a dit... De la mère, tu m'expliquais là. Elle a dit, si on n'accepte pas, c'est ça, tous ces quatre, on devient pauvre, c'est ça que tu as dit non, normalement. Mais on est devenu pauvre. Ça m'intéresse pas. Tu es ma femme. Et j'attends ce que tu dis, tu es ma femme. Et sans toi, je suis bien. Donc écoute-moi très bien ce qu'elle te dit. Ce qui va se passer, on doit faire, ça va rester entre nous. Est-ce qu'il va savoir? Moi, je ne suis pas pour ça, en fait. Tu me comprends, je ne suis pas pour ça. Mais ce qui va se passer, soit on accepte, on fait, ça reste entre nous. Parce qu'il ne me voit pas en train de devenir pauvre encore. Et tout ce qui se passe, ah, bébé. Non. Mais c'est un truc chap-chap, non? Chap-chap comment? Quand tu dis comme ça, chap-chap comment? Arrêtez, faut même pas que tu me dis ça. Faut pas que tu me dis ça même. Tu parles de ta maman, toi et ta maman, c'est pas la même chose. C'est quoi qui n'est pas la même chose? C'est une vieille, elle fait chap-chap, elle veut pas durer, mais... Non, tu es me dit toi-même, donc c'est ce que toi-même tu fais. Ça ne m'intéresse pas, mais c'est parce qu'on est bloqué où nous sommes actuellement, on a besoin de ça. Tu es retenu dans la pauvreté? Faut arrêter ça, bébé. Mais est-ce qu'on va mourir? Mais si on va mourir, mais tu connais la situation, ça va pas. Moi, en tout cas, moi, je ne peux pas redevenir pauvre. Ça, il faut que tu dises la vérité. C'est un tout, il y a une fille, même pas peu, mais elle va me dévier. Elle va me passer une vieille. Et puis, on peut, ça reste entre nous. Mais tu parles comme si. Toi, tu es ma femme, tu connais le degré d'amour que j'ai pour toi. Tu es d'accord avec ça, non? Je ne vais pas te laisser dans le problème aussi. Mais si ça ne va pas chez moi, que ça ne va pas, si ça ne va pas les jours, si ça ne va pas chez ta mère aussi, c'est bizarre. En plus, tu es sa seule fille. Comment tu vois le truc? Fais tout vite, vite. Non, moi, merci pas ici, merci même pas pour ça. Mais on est obligé. Tu vois, non? Moi, en tout cas, moi, je ne peux pas redevenir pauvre. Ça, il faut que tu le dises. Maman, donc ça, l'échappe. Ah, vous m'attendez? En tout cas, c'est mieux. Maman, on dit quoi? Ah, mais. Alors? Ah, mais c'est trop tôt, c'est trop tôt, façon un peu. C'est quoi qui est trop tôt là? Je suis là pour ça, rentre là-bas. Mm-hmm. Lève-toi! C'est quoi ça? C'est quoi ça là? De le faire. Moi-même, je suis assise, j'ai honte. Parce que notre héritage était en jeu. La société, tout ça là. Donc, il fallait que je fasse. Tu vois, non? Hein? Donc, ne vous fâchez pas. Okay. Hein? Okay. Je suis vraiment désolée. Très, très, très désolée, ma fille. Va te fâcher. Tu as compris? Mais il y a une dernière chose que je voulais vous demander. Quoi encore? Quoi? Tu as besoin de crier. Toi, que tu demandes quelque chose à fonctionner. Vas-y, on t'écoute. Attends, bébé. C'est que le médicament demande à ce que. Quoi encore? Quoi? Il y a quoi? Tu as besoin de crier pour ça. Ça, j'ai crié. On t'écoute. Le médicament demande à ce que je couche encore avec toi. Mais cette fois-ci, là, il faut que ma fille soit présente pour voir l'action. Ah, maman. Et ça là, c'est pas moi, c'est le médicament. Tu sais, maman, il n'y a pas de problème, c'est ce que tu as dit là. Mais écoute, tu es venu une première fois. C'était pas dans, je voulais plus, j'avais pas envie. Mais comme tu as dit, ah, si on fait ça, si on fait pas, ça va gâter notre truc. J'ai accepté, je l'ai fait. Mais c'est la deuxième fois qu'elle est là. Vraiment, moi je suis désolé, je ne veux pas faire. Comment tu sais, ça? Il y a Dieu qui est là. Faut laisser affaire de Dieu là. Laisser affaire de Dieu comment? Ah maman, toi aussi. Une première fois tu es venue.
On était obligés. Moi, je ne savais pas que tu faisais mes gamins. Toi aussi, mon, il ne faut pas que tu as fait ça. Première fois, on a accepté. Deuxième fois, on a accepté. Dieu ne peut pas nous pardonner ça. Oh, vous laissez Dieu. Pourquoi il laisser il a quoi à voir dans ça, là? Ah, maman. Si Dieu a une grande partie dans ça, maman. Une très grande partie. Tu sais, maman. Si c'est pour devenir pauvre, là. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va devenir pauvre. Mais avec la grâce de Dieu, je sais qu'un jour ça va aller. Parce qu'il a fait des médicaments, mais il lui a dit, quand il m'a parlé, il a fait des séries, il a dit, ah, moi, ici, moi, mes parents sont chrétiens, c'est pas comme ça. Tu comprends? On a accepté une première fois. Si on vient dans la deuxième fois, c'est que vraiment nous, on veut. Et là, Dieu va pas nous pardonner. Il va même pas nous pardonner pour ça. Donc, maman, il faut laisser ça. Attends, Dieu, c'est Dieu. Attends. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle pauvreté? Maman, c'est ça, est-ce qu'on va mourir? Dans ta pauvreté, tu peux avoir ce teint-là. J'ai compris. Quand tu venais me voir avec ma fille, là, toi, tu étais habillé comme ça. Hein? Je pense que tu étais dans les jeans coupés, sales, un t-shirt délabré, là. Hein? Ma fille, elle n'avait pas ce teint-là. À cause de mon médicament, aujourd'hui, regardez votre train de vie. Et toi, tu parles avec Dieu. Hein? Maman, tu sais quoi? Première fois, on a accepté. Si on accepte la deuxième fois, ça va continuer. Parce que qu'est-ce que pour que si on a cette dernière fois, il n'y aura pas une troisième fois ou une quatrième fois. Peut-être même sur le méga. Non, oh, ainsi de suite, ça va continuer. C'est mieux, on va arrêter. Et puis apparemment, le diable t'utilise beaucoup, maman. Parce que je sens que c'est plus à faire le méga. C'est le diable qui t'utilise. On envoie un pasteur. Jean, je suis Satan, quoi. Non, tu n'es pas Satan, mais ça ne vient pas de toi. Peut-être mais tu viens de le dire. Maman, tout ça. J'ai mal fait de vous rendre riche. On n'a pas dit que tu as mal fait. On va revenir pour vous. Si c'est pour ça, première fois, c'est bon. Deuxième fois, troisième fois, Dieu. Faut mettre Dieu devant de tout. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, tiens, c'est bon. Quand je vous donnais tout ça là, Dieu n'était pas là. Ne m'énervez pas, hein. Pourquoi on t'énerve comment? Quand je vais pas donner la vérité même. Quelle vérité? Faut laisser faire des médicaments. Petit truc, on va aller faire encore une deuxième fois là. Quelle deuxième fois? Et puis cette fois-ci, tu es là, ça fait quoi? Moi, il ne peut jamais. Mon fils. Mon fils, pardon. Moi, il dit, il ne peut plus faire. Moi, je vais aller sur la voie, le chemin de Dieu. C'est tout. Mettons Dieu dedans. Si on ne peut pas mettre Dieu là, on va faire deuxième fois. Ton marabou avait été dit que ton migrant doit venir faire troisième fois, quatrième fois. Il faut m'excuser. Pas, tu vas prier. Pardon. Alors, allez, disons. Pardon. Je ne vais pas perdre tout ça là. Pardon. On n'est pas nés avec. Mon fils, on ne va pas durer cette fois. Non. On ne va pas durer. Je ne veux pas perdre tous mes biens, pardon. Bon. Maman, mon fils, pardon. C'est non, c'est bon. Pardon. C'est qu'on fait. Eh, pitié. Il faut garder tes biens. On se défend les dieux. Pardonnez. Je ne veux pas perdre mon